Prophète Crasso, que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde toute sa grâce. Amen. Voilà, nous sommes dans une semaine de prière. Voilà, on vient juste de descendre d'un moment. C'est vrai que je devais appeler ce soir l'après-midi. On était dans un moment de prière. Il fallait descendre de ce programme afin de pouvoir s'occuper comme j'ai promis. Voilà, juste un mercredi. C'est vrai que ce n'est pas facile pour certaines personnes d'être à niveau, parce que les conditions de vie, il y a tout ça. Voilà, donc il faut régler certaines choses pour que les gens, s'il faut possible, rentrent rapidement chez eux. Voilà, donc j'ai décidé de vous prendre aujourd'hui ce soir, par la grâce de Dieu, et avec l'aide du Seigneur, nous allons, n'est-ce pas, prier ensemble. Dieu est merveilleux, étant merveilleux, étant ici. Voilà, il fera beaucoup de choses avec vous là-bas de votre côté. Le plan de Dieu, c'est que chacun d'entre nous puisse le connaître véritablement. Le plan de Dieu, c'est que même le pécheur puisse abandonner sa mauvaise voie et continuer de marcher, de connaître Dieu. Alors, le plan de Dieu, c'est que même si tu es mauvais, il faut expérimenter Jésus. Amen. Voilà. Amen. Jésus dit, n'est pas venu pour ceux qui sont justes, il est venu pour les pécheurs. Mais aujourd'hui, ce que l'humanité doit retenir de Jésus-Christ, c'est que Jésus a donné déjà sa vie. Il a connu la douleur la plus atroce, il a connu toutes sortes de difficultés à la croix, pour que quiconque croit en lui expérimente, n'est-ce pas, le salut véritable. Et le salut ne dépend pas de Crasso. Le salut dépend de Jésus, c'est-à-dire de croire en cette personne de Jésus-Christ. Parce que Jean 3, le verset 16, dit que Dieu a vu le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, qu'il a la vie éternelle. Ici, de croire en espoir au salut venant de Christ, et on a la vie éternelle. Et c'est de ça qu'il s'agit, c'est de ça que nous allons parler par la grâce de Dieu tout à l'heure. Voilà, donc que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie davantage. Amen. Notre spécialité, c'est la destruction des œuvres de la sorcellerie. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on expose des gens, on expose des œuvres du diable. Et puis on permet aux gens de renoncer aux pratiques du diable et de marcher avec véritablement avec Christ. Voilà, donc c'est pour cela que quand quelqu'un dit « il a tué 800 personnes », d'autres crient. C'est vrai, c'est. Mais nous, après les aveux, il faut que la personne quitte le camp du diable et qu'elle se donne à Dieu. C'est tout. C'est tout. C'est vrai que ça fait mal qu'on tue, c'est d'autres, dans d'autres pays, dans d'autres contrées, dans d'autres endroits. Il faut tuer la personne. Mais Dieu, c'est la repentance. Dieu, il faut qu'on change. Avec Dieu, il faut changer de position. Avec Dieu, il faut changer de vie. C'est ça qui est le plus important avec Dieu. Voilà. Et puis, il faut être sincère. Voilà. Il faut être sincère. Il faut reconnaître et puis avouer, c'est ce qu'on appelle la repentance, et puis changer de vie. Ce serait plus intéressant. Voilà. Aujourd'hui, même dans les églises, aujourd'hui, il y a des gens qui vont à l'église qui sont sorciers. Il faut avoir le discernement voilà, pour détecter tout ça. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons poursuivre ce qu'on avait commencé. Voilà, c'est qu'on avait commencé. C'est le dévoilement des œuvres du diable et la destruction des œuvres du diable. Et en même temps, aider aussi ceux qui sont victimes des œuvres de la sorcellerie. Il y a des gens qui sont victimes que le diable maintient en captivité. Voilà. Les sorciers, ils détruisent, ils tuent, ils détruisent la vie. Ils ont tué, on ne peut plus ramener ces personnes en vie. Mais les gens qu'ils ont détruits, on peut encore sauver cette vie-là. C'est ça qui est le plus important. Même le sorcier, s'il peut changer, c'est notre souhait qu'il change et qu'il quitte la pratique du diable, qu'il quitte l'œuvre, qu'il quitte son maître Satan. S'adonner aux œuvres de Dieu, c'est ça qui est le plus important. Aujourd'hui, on a besoin de comprendre que sans Dieu, nous ne sommes rien. Et si le diable a eu accès à nos vies, c'est que quelque part, Dieu est absent de nos vies. Voilà. Si la sorcellerie a eu accès à nos vies, c'est que quelque part, nous-mêmes,
Nous étions déconnectés de Dieu. C'est pour cela que la sorcellerie a une raison sur nos vies. Et c'est pour cela que il faut comprendre qu'au travers de ce qu'on va faire tout à l'heure, n'est-ce pas, il faut se donner véritablement à Dieu. Voilà, c'est un peu ce que je voulais dire ce soir. Alors que Dieu vous bénisse. Amen. Oui. Il est venu à son papa. Mon papa est où? Son papa est là. Le voici. Vas-y, son papa. Vous l'avez envoyé pourquoi? Il est venu à ton fils, c'est pourquoi? Si le nain a le mauvais esprit contre lui. Non, en fait. Mais il est sorcier, ton fils, quand il dit mauvais esprit, c'est quoi mauvais esprit? Bon, il parle. Quand ça a commencé le 1er janvier 2019. Et il y a la sorcellerie. Il faut laisser, laisse les détails, tout ça. Mon détecteur, là, ça a cliqué, il est sorcier. Voilà. Menez-le là-bas de l'autre côté, on va se peu de lui. Elle. C'est elle qui a sa vie là. Hein? C'est la fille de la vieille là. La fille de la vieille comment? La vieille, c'est à sa fille qui a eu une maladie là. Non, il sait. Il a vu la dernière fois, il sait pour elle. Ok. Bonsoir, papa. C'est pas elle qui a vu la dernière dimanche. Ouais, c'est elle. Lui, c'est moi. Ah, je sais. J'ai fait exprès pour poser une question. La vieille avait ta donné son soleil, peut-être que. Ouais, elle est où là, c'est la vieille? Elle est où? Maman, viens. La voici. Elle est au fond de la chaise. Non. La vieille, lève-toi. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Bessie Marina. Ouais, dans le micro, pasteur. C'est ta fille? C'est toi qui l'as coupé un truc? Mais tu lui as donné la sorcellerie aussi? Pourquoi tu n'as pas dit ça la dernière fois? Elle parle, elle comprend pas français. Elle comprend pas français. Oui, on va aller un peu vite, c'est bon. Hein? Faut qu'on passe de peu vite, comme ça on va gagner en temps. D'accord? Tu es torché, c'est ça? Quand tu venais ici, là, tu étais torché déjà, non? Est-ce qu'on se connaissait? Faut parler bien comme ça, on va se faire, on va les dire. Souvent les gens disent ça, le prophète il fait des montages, les gens racontent des bêtises. Les gens souvent racontent des bêtises, comme ils n'aiment pas ma tête, les gens les aiment. Là le prophète fait des montages, il n'y a pas de montages ici, elle et moi on ne se connaît pas. Mais le jour où je l'ai vu, elle était assise là, qu'elle s'est déplacée, je vous ai dit qu'elle a la sorcellerie. Voilà, à distance, je vous ai déjà dit qu'elle a la sorcellerie, c'est mon nom. Je vous ai dit qu'elle a la sorcellerie. Voilà, non? Voici un peu ce qui se passe ici. Souvent les gens disent le prophète, quand il fait. Moi je ne peux pas démonter les gens. Pourquoi aller prendre une vieille et venir faire monter? Il gagne quoi dans ça? Elle a fait des sorcelleries, il a parlé, il a tué, il a dit ça c'est le travail. C'est parce que c'est un don de Dieu. Voilà, et qu'on essaye d'aider les gens selon la vision de Dieu. Sinon, on ne prend pas les gens pour les envoyer. C'est nous qui avons dit de venir à Divo. Comment tu es venu à Divo? On s'est dit Divo. Ah, il me met un bloc pour dire que vous êtes à Divo. Elle dit, comme je suis tombée malade, donc c'est pour cela qu'elle a décidé de venir avec nous à Divo ici.
Comme tu es tombé malade, c'est pour ça qu'elle a décidé de venir toi à Divo. Oui, pasteur. Bon, je trouve ça bizarre. Donc, chez toi, chez moi, là, on doit venir quand on est malade. C'est pour cela qu'on m'a envoyé à l'église ici. Quand on peut pour moi. Baba. Ok. Je n'ai pas bien saisi. Tu dis, tu es venu avec la Bible parce que tu es malade. Est-ce qu'il est venu parce qu'il était sorcier? Non, pasteur. Non, prophète. Voilà, donc je vais comprendre. C'est-à-dire l'esprit qui l'a animé à venir à Divo. C'est ça, moi, je veux comprendre. Est-ce qu'elle est venue à Divo dans l'esprit pour qu'on en chasse la sorcellerie en elle ou dans quel esprit ta maman est venue à Divo? Est-ce que c'est à cause de la sorcellerie? Oui, c'est l'idée. Quand elle venait là, est-ce que c'est à cause de la sorcellerie? Elle est venue. Elle est venue. On est amis à ses lignes, beau pas, mais à l'idée. Elle dit non. Voilà, donc c'est ce que je veux comprendre parce que quand vous dites non, moi je veux comprendre parce que les gens ils pensent que souvent c'est des gens. Moi je vous sais, est-ce qu'on se connaissait? Voilà, je ne connais pas parce que. Maintenant, elle est venue pour quoi? Elle quittait, va voir pour venir, elle quittait là, pour venir là. C'était pour quoi? On a voit parfois voir le maire d'ailleurs les cabois y a et quand on joue body et quand on joue body il y a aucun bouillon le bouillon va être baba bouillon encore jipé le bouillon bouillon voilà le temps pas de tourner elle quoi elle dit elle m'a bouffé non n'est plus à ce stade j'ai dit elle-même. Elle est venue à Divo chez moi. En fait, au sang pluriel, autant que moi. Est-ce que c'était dans l'esprit de comment elle est venue? Est-ce que quand vous venez avec elle, toi-même, là, quand tu venais avec ta maman, vous venez avec maman, est-ce que c'est à cause de la sorcellerie? Non, pas prophète. Hein? Moi, je veux que je veux comprendre ça. Elle est venue comment, ta maman? On est sans. Qu'est-ce que vous avez dit à maman pour devenir? Non. Qu'est-ce que tu as dit à votre maman avant de venir? Vous avez dit quoi à votre maman? C'est ça, c'est ce que je veux vous parler. Attends. Viens. Prophète, bonsoir. Bonsoir, et vous, c'est qui? Moi, je suis la fille de maman. Enchanté, le nom c'est? Bessitek. Enchanté. Ravi, papa. Prophète, grâce à elle. Une fois, j'étais avec l'une de mes collègues, et puis elle m'a montrer une image sur YouTube. Et puis, après plusieurs semaines de prière pour savoir si Dieu pouvait écouter mes prières en cherchant un docteur spirituel. Donc, c'est comme ça qu'elle m'a montré des images. Ça m'intéressait. Donc, j'ai commencé à regarder tous les aveux qui se faisaient sur YouTube. Donc, ça a commencé à m'inspirer. C'est ça, ma petite soeur. On m'a appelé pour me dire ah elle est vraiment gravement malade. J'étais paniquée carrément.
Je dis, si c'est un truc de sorcellerie, sur YouTube, on m'a dit que le prophète Grasso peut nous aider à délivrer celui qui est victime de la sorcellerie. Ce qu'il peut faire aussi pour ma petite soeur, il faut que je puisse en parler à ma grande soeur. C'est comme ça que je suis venue à ma grande soeur et je lui ai en parlé pour dire, le prophète, j'ai vu beaucoup de ses œuvres. J'ai vu qu'il fait la volonté de Dieu pour sauver quelqu'un. Donc c'est pourquoi il faut qu'on vienne à Divo. Qui dit, il se trouve à Divo. Et moi-même, je ne le connais pas, mais c'est sur YouTube que j'ai vu. Donc c'est comme ça que j'ai contacté ma grande soeur. Et puis elle a tout fait pour que les deux viennent, tout le monde vienne, pour que, voilà. Et vous êtes où? Vous vivez où? Moi, je suis à Bengourou. Mais présentez-moi. Oui. Présentez-moi. Et ma grande soeur, elle habite à Abidjan, elle est à la Riviera. Attends, je vais poser la question à votre soeur, s'il vous plaît. S'il peut se lever, votre soeur, je veux la voir. Ça vous va? Oui, ça va bien, papa. Prophète Grasso, et vous, c'est? C'est Bessie Gaï Rachel, épouse Lamine. D'accord. En fait, comme les gens, souvent, vous gâtez le nom des gens, ils pensent que c'est des montages, vous voyez? Souvent, les gens, ils pensent que nous, on fait venir là, des montages, c'est pour ça que moi... Non, c'est pour ça que je pose les questions, puisque c'est maintenant elle et moi et elle l'autre. Parce que dimanche passé, vous n'étiez pas là. Je suis en train de poser les questions pour savoir les motivations. Ce qui vous a motivé à venir, parce que pour nous, il y a quelque chose qui vous motive à venir. On ne va pas prendre quelqu'un d'une maison à une autre maison. Voilà, et voilà, c'est parce qu'il y a un besoin qui s'est fait sentir, du ressenti. Et puis les gens viennent. Voilà, donc ce que votre soeur vient de dire, je veux avoir votre version. Hein. Effectivement, ma petite soeur m'a appelée, elle m'a dit qu'il y a un homme de Dieu qui est à Divo, qu'il peut aider notre petite soeur qui est malade gravement, qui est victime de la sorcellerie. Donc, si tu pouvais nous aider à partir là-bas, vraiment, ça va être bien. Il dit, bon, dans ce cas, on va nous tous aller. Voilà, mais c'est le garçon qui n'est pas là. Et c'est comme ça que mon mari m'a remis de l'argent, que nous puissions venir. C'est comme ça que nous sommes là. Et vous avez fait venir la vieille? Oui, je voudrais qu'elle soit là. Voilà. Mais pourquoi c'est pas votre soeur et vous voulez que votre maman vienne? Non, nous toutes. C'est-à-dire toutes les filles, voilà. Plus maman, parce que maman pouvait rester à côté d'elle. Et celle qui est quittée avec elle au village pouvait rester. Alors, elles étaient trois à rester ici. Mais j'ai dit, bon, allons-nous toutes. Comme ça, au moins, on pourrait savoir ce qui ne va pas. Donc, c'est pourquoi nous sommes venus ensemble. Voilà. D'accord. Votre maman est vivante? Elle vit à Vavoie. À Vavoie, okay. Elle est dans votre village, c'est ça? Oui, elle était d'abord dans notre village paternel, Guabafla. Ils ont chassé pour des sorcelleries? Oui, c'est ça. Très bien. Ok. Maintenant, elle est venue là. Là, je vous relate maintenant les faits. La dernière fois, quand je parlais, j'ai pris comme ça en vidéo. Quand je l'ai vue, j'ai dit qu'elle était sorcière. C'est-à-dire que le premier contact, c'est un peu mon don. Le premier contact. J'ai su qu'elle était sorcière. D'accord. Voilà, j'ai su immédiatement qu'elle était sorcière. C'est un peu notre spécialité, ce qu'on fait, nous travaillons. Et c'est comme ça que Dieu nous donne cette grâce, cette force. Chacun a son don. Chacun a son don. Voilà, moi, c'est un peu ma spécialité. D'accord. Voilà, maintenant, non, c'est clair. Voilà, maintenant, c'est clair. Parce que pour que les gens comprennent ce qui vous a motivé à être là, pour que les gens comprennent aussi qu'on ne se connaissait même pas, d'ailleurs, on ne se connaît même pas. Pour que les gens comprennent que c'est vous qui avez senti le besoin de venir à Divo, c'est pour ça que vous êtes là. C'est ça. Dans le but de pouvoir obtenir une délivrance, n'est-ce pas? C'est ça. Vous avez venu faire tout le monde, vous avez envoyé tout le monde. C'est ça. Voilà, vous n'étiez même pas là quand je disais à votre maman qu'elle était sorcière. Non, si, j'étais là, mais j'étais dans le fond. Ah oui, vous êtes d'accord. Donc, tout le monde. Donc, votre maman, d'abord, moi, je suis, parce que je sais déjà, le premier contact, je sais déjà qui est sorcier, qui n'est pas. Voilà. Je sais déjà qui est sorcière, vous ne pouvez pas. Bon, là, le problème, c'est quoi? C'est que votre maman, elle ne venait pas à Divo pour faire des avis, c'est pas ça? Non, elle venait pas pour ça. Elle venait pour quoi? Elle venait pour la guérison de sa fille qui était malade. Voilà, parce qu'elle change de langage, c'est ça le problème. C'est-à-dire, moi, je veux qu'on soit clair et véridique.
parce qu'elle est venue à Divo, ce n'était pas pour qu'elle fasse des aveux. Non. Très bien. Ok. Demande-lui dans votre intimité. Est-ce que, dans votre dialecte, est-ce que quand elle venait ici, là, est-ce qu'elle venait pour parler? Maman, prophète n'a pas assez. Est-ce que Arne Yane Boya Bayaï, à commande où elle dit, et Boya Yi, et ça y est dit? Bien. Elle dit non. Ok. Très bien. Parce que là, tout à l'heure, changé un peu de langage, elle dit non. Parce qu'elle venait, parce que sa fille est malade. Mais le problème, c'est quoi? C'est que quand elle est venue à Divo, quand elle est venue ici à Divo, pourquoi elle a attendu qu'on lui révèle son état? Elle était déjà sorcière parce qu'on l'a chassée du village à cause de la sorcellerie. C'est pas ça? Oui. D'accord. Donc, elle est déjà sorcière. Chassée du village ne veut pas dire qu'on est délivré de la sorcellerie. On est d'accord avec ça? Oui. Ok. Donc, on la chasse du village, mais elle est sorcière. Ok. Sachant qu'elle est la base du problème de la fille, et puis en même temps qu'elle a initié la fille, parce que c'est un problème, c'est un truc qu'on va parler tout à l'heure. C'est le dossier, il est trop costaud. Hein. Les deux là, le dossier là, c'est trop large, on va parler tout à l'heure. Ok. Pourquoi elle n'avoue pas si tôt? Pourquoi elle ne nous dit pas aussi que c'est elle qui est la base? Et puis elle vous laisse le temps de. Pourquoi? Demande à votre maman. Maman? En fait, non. Amadeu, vous voyez, il y a un cagou. Niamade, il y a un cagou. Et mon cagou, il y a un. A nous, on voit, il est bané. Né, ah, quand on a eu dit, à me y bané, à sa mère, à prendre à nous, à comme un boss, à ne bané, à y a la tée. Sabé. Ah non, 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 non. Parce que, il y a un cagou, il y a un cagou, il y a un cagou. Mais, bané, il y a un cagou, à y a un divo, mené. Né, baba, vous me ramenez. Okana peso boro kipe wakaye dem ko me wakaye ba egbu yayi e ke ya ne ye ji asu ba ke wa bi ni aye ni eki oh la vie tu vas tu n'as pas raison tu parles comme si tu étais raison pardon tu peux pas m'influencer ton langage pardon d'accord elle dit si elle était si on lui avait dit qu'elle venait pour faire des aveux elle ne serait pas venue et pourquoi parce qu'elle venait pour qu'on soigne sa fille. Voilà, maintenant, ah, voilà, ça c'est intéressant. Pourquoi? Mon cagoua. Non. Ça. Elle a mon cagoua. Aïe, bané, akaya, il a bané. Série, ou aïe, aïe. Mon cagoua. Mais, le cagoua, il a dit. N'a eu mes gounda, non. Il y a qui, quoi, dit, oh, il a dit, il a passé, mais il y a, donc, il y a, il y a, il a dit, on ne peut pas me bon pané, on ne peut pas me dire, on ne peut pas me dire, on ne peut pas me dire, ça n'a pas dit, on a dit, c'est à Yegi. Il n'est qui. Elle dit, elle ne savait pas qu'elle venait pour faire des aveux. Elle est venue pour soigner, pour faire soigner sa fille. Mais justement, elle n'était pas venue pour faire des aveux, ça c'est juste. C'est le don de l'Esprit de Dieu qui révèle son état. De sorcellerie. C'est tout. C'est parce que ça a été révélé. Sinon, elle a dit, elle est claire. Si tu étais pour venir faire les aveux, ce n'est pas là. Mais oui. Mais encore, une raison de plus pour dire que Dieu est au centre de Dieu. Quand tu es sorcier, on va te démasquer. Ici, là, ça se cache pas. Mais toi-même, là, on t'a chassé du village à cause de sorcellerie. Tu es venu dans un coin où on enlève ça. C'est une raison de plus pour que tu te libères. Bon, bref, on va continuer. Parce que si on va trop. Votre maman, là, elle est très bandite, elle est rusée, elle est caractère, elle est bizarre. Excuse-moi pour l'expression bizarre. Voilà, dans le sens où c'est une femme, elle est très rusée. Et je suis convaincu qu'elle n'a pas envie de laisser sa sorcellerie, mais on va l'aider. D'accord. On va avoir la contrainte à abandonner ça. D'accord. On va l'amener à abandonner ça parce qu'on va l'expliquer les méfaits de la sorcellerie. D'accord. Elle sait très bien que ce n'est pas bon, mais on va l'expliquer. C'est une occasion pour elle. Si elle ne laisse pas, elle ira en enfer. Voilà. Donc, je lui demande maintenant
Elle sait que les sorciers posent la question. Ah, Yegi n'est pas ta bo. Yegi. Elle dit ça. Ok. On ne t'a pas forcé de parler, hein, tu es convaincu. On est forcé de parler. On t'a déjà chassé à cause des sorcellerie du village. Waka vous déjà. Gogo, zo, gouabou. Waka vous, gogo. Elle dit oui. Quelle est la solution que tu as trouvée? On t'a chassé à cause des sorcellerie d'un village. Maintenant, tu as fait quoi après? Il fallait chercher une solution. Ok, non. Wavouane. Solution, moi, ma yéne. Waka damano, waka bossa. Belle sorcellerie là, si on t'a chassé à cause de ça dans un village, on cherche un endroit où pour te délivrer, tu as fait quoi? Comment tu délivres ça? Bon, non, pour ça. Comment bon, non, pour ça. Et puis, Anne, mon cabonne, Anne, bah, et qu'un, ou à quel bon, ça. Allez, vraiment, bonino. Bonino, j'étais tout, mais la bonino. Ça vaut du bien, voilà. Elle dit, elle demande pardon. Non, 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 non. Pardon pour toi. On n'est pas au stade de pardon. Moi, je ne suis pas en train de, je suis pas en train de la culpabiliser. Je ne suis pas en train de lui dire tant, tant, tant. J'ai dit, sorcellerie, là, quand tu charges d'un village à cause de sorcellerie, ça veut dire qu'on t'a mis à nu. Ça veut dire que ce n'est pas bien. Donc, déjà, dans un premier temps, il faut chercher un endroit pour t'enlever ça. Quelles sont les démarches qu'elle a faites pour qu'on l'enlève ça? Nous avons dit, 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 Mais, c'est pas même ça. L'église des villages, où de Vavois et ici, c'est pas la même chose. Voilà. Que là-bas, c'est des églises bizarres. Donc, là-bas, elle n'avait pas confiance, mais ici, là, elle sait qu'elle va être démasquée. Ok. Voilà, tant que c'est à cause de la sorcellerie que l'on chasse du village. Bon, vous voyez à vous, oui. Tu as fait quoi? Mon anonyme, vous voyez à vous, oui. La terre est belle, pas ça? Ah, ça? Non, ça? Mais comment? Mon cabou ne voyait pas vous appeler. Vous appelez, quand on a l'eau libérée, bon, bon, et on a l'eau libérée, bon, on a l'eau libérée, bon, on a l'eau libérée, parce qu'il y a un mata. Et on a l'eau libérée, mais on a l'eau libérée, il est comme un Elle dit, elle a tué, parmi ceux qu'elle a tué, ce pourquoi on l'a chassé du village, il y a trois garçons et deux filles. Moi, hein? Hein, maman? Avec une dame mariée. Donc les villageois ont suivi ça. Et Zoki a yégibé. Et vous voyez à vous. Elle dit oui, ils ont suivi, c'est pourquoi on l'a chassé. Ils ont suivi ça comment? Ça va y aller, il y a ça va nous aller. On est allé là, il y a un cadre à Iran. A même allé à Bobada. A même dit là. Ça va pas, ça va être tout bas. Il y a un cadre. Elle dit ils ont fait des songes. Et c'est dans le songe que elle, ils l'ont vu. En train de pratiquer la sorcellerie sur eux. Et c'est comme ça qu'on l'a chassé du village. Non, mais c'est un rêve de plus voir quelqu'un. Donc, ils ont fait le rêve, ils sont venus nous dire ce qu'elle a reconnu. Wa y la de yirane. Wa y a y la bane. Yu monene ma nyamu. Yu monene akodi. Yu monene akodi de. Ake yon mou.
ya ese pria aya won ziri peru ba won mere ba wa gbe wa te po amun wa ni yi wa de ni no wa yo wa ye te ine wa gba ni aka yin ma di ni ake yo mu ni eh ami ka wa yin ma di pien ya ni ohun ike ohun mo so gura pri mera eh ika ta pe do mu ika ta pe no mu gura bi ika mo yo mu mara bande ara bande sa ike ohun gura bi ene wa ni gba siri wa ne wa zo ti agba ni aka ta pe dikra aka nuno mo ni dikra ni wa gba de bu ni ama aka gba ni kin ni gbo so na aka ye so ti ara gba eh ohun nuno me da ni ana ya dire ohun mo nuno na dere zini pero pa ohun me da ni ora wa gba we wa ni ya yo azu ohun wa na me le gbo gba we isa to si gba na lu ga yi lo eh ta pe no me da ni wa ni me re ayi ya ta ko ese bi agba mo aya ka gbe se bi e gbe se me dane wa ne o ka tiri ni o ka yin niyan ni o ne aya dane ayin e yin ni ayo ni ake ma ne se yire gbe so ne ake la ake o di ni a tiri a sa ba gba mi ya iye ma yire gbe so iso ya elle dit la dame qui vendait le poisson qu'elle a bouffé. La dame, au moment où on disait que c'était elle qui avait tué la dame, quand ils ont envoyé des gens derrière elle pour pouvoir lui demander, mais quand ils sont arrivés à son niveau, ils ont dit non, c'est pas la peine, laissons-la, elle n'a rien fait, laissons-la comme ça. Mais le jeune garçon qui est décédé, l'enfant de son beau qui est décédé, que ce dernier-là, là on lui a dit de prendre son dernier déchet qu'il a fait avant de mourir, d'écraser ça dans de l'eau qu'elle a lavé, elle a lavé son sexe, excusez-moi, et ses aisselles pour pouvoir boire, et elle a bu, pour dire que c'est pas elle qui a tué l'enfant, et c'est ce qu'elle a fait. Et lui, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a abonné à Yiri. Jamais, il y a un bien, il y a un voisin, il y a même un capri, et bien il y a bon, pourtant c'est elle qui l'a tué. On est ama agba ni aka mo tra gbe se nu pe tra ni me aye gi ni ama gbo ni mi soyo ah e bi awe gbe se mele sa agba ni ama bo wa do e di pourquoi peut jurer comme ça puis dit que c'est qui a tué le jeune non ça veut dire oui mais parce qu'elle a le pouvoir de maîtriser ça elle a le pouvoir de maîtriser ça ça n'a jamais rien dit on est amri ni aka ama ndu ya ne no ni wa na ka pa amen mo yiwa ils sont basés sur quoi? Le village s'est basé sur quoi pour la chasser? C'est ce qu'ils veulent savoir. Ils ont vu quoi et puis ils l'ont chassé. Je veux savoir qu'est-ce que le village a constaté en elle. Et puis tous, voilà, ils l'ont chassé du village. C'est ce que je veux savoir. On est mon ouzot qui a eu on est. Voyez-vous, soit les non interprétés clair. Et ne voilà, amémi, avoir eu dit ça. Quand on l'a bougé en elle. Elle est d'abord. A même moi, je suis à l'italien. Les amis, elle est en train de tuer tous les enfants. Oui, tous les enfants de la famille, avec les personnes de la famille. C'est pourquoi ils l'ont chassé du village. Mais oui, c'est faux. Est-ce que Yo a non. Elle dit non, c'est pas faux. Donc les gens ont vu que tu étais sorcier, c'est ça? Il y a manqué qui venait à Kabo. Moi, hein. Maman. Elle dit oui. Ça. Oui, maintenant, qu'est-ce que tu as fait quand, maintenant que tout le monde sait, tout le monde a su que tu es sorcier, hein, qu'est-ce que toi, tu as fait comme démarche pour te délivrer de ça? Et non, derrière, les amants, nous, les amants, ou à quoi, ou ça? Je n'ai pas rien fait, je suis resté comme ça. Ce qui m'a choqué tout à l'heure, il a dit, s'il savait que je venais faire des aveux, je ne serais pas venu. Ça m'a choqué. Ça veut dire qu'elle-même n'est pas prête à m'en donner la joie. Elle n'est pas prête. Agbane, Akaye Gine, ne Amadeu Goua Kasserine, ne Yowaya Yane, ne Anaka Kasserine, ne Amayu Gipe, Gipe Goua Yi. Akaye, Ekane Kwele Daimene, Akaye Yi, Pase Kameye, Ekane, Emezize, Yowaya Yi. Non, ici là, tu n'es pas qu'elle est ici là.
Ici, tu ne peux pas dire. Tu sais où tu dis, hein? Ici, là. Et oui, aïe. Et ici, la personne qui t'a de parler. Ici, si tu as nié ce diarrhée, tu as fait, excuse-moi, mais tu as fait diarrhée. J'ai compris un peu, fait, c'est des petits trucs de bêté. Elle dit non, elle allait nier ça. Pardon? Elle a dit quoi? Elle dit quoi? Elle allait nier, c'est ça? Non, elle dit que, bon, elle est venue, quand elle est arrivée ici, elle a su que ici, on pouvait la dénigrer, qu'elle ne pouvait pas se cacher. Non. Je pose une question. Pourquoi elle disait tout à l'heure, si je savais que je venais faire des aveux, je n'irais pas venir. On est mon cabot, qu'est-ce que j'en ai? Oh, il a eu bé. Et ne yama yu gipe gipe boyane. Seri me dane. Anaka abayi. Ama yu gipe bo ayayi. Me anyi asene seri ne. Waya asene bane akabo. Me e bo bo me dake ye gi amanaka yi. Ene. Eka nansa bayi ne. Ese moka. Ene ye gi ne. Papa me seri. Debi wakawa me gwane nanu yini yini ata. Eke ye gi ye ki ne. Ome mone bo osani me nokule ne. Zubayi ka yi. Ene ye gi. When I ban it, and I do my dane, in Okaine, Okaine, your bed. If we tie your bed, we are ye, ya, Okanagin, and me for your and a care, a mewa, in a mewa. In a sise, what? Moyana sise. Eddie, every nepotism. Like a little. Elle venait pour la guérison de sa fille. Ils ne voyaient pas sa bouche changer. C'est comme ça qu'ils sont tous. Hein? Les bouches. Tu ne les voyais pas. Moi, je suis un maréchal. Moi, je suis prêt. Je les écoute. Je suis passé, je les écoute. Je connais les bouches. Ça pique. Mais ils vont tomber. D'accord. Amen. Donc, c'est qu'elle est arrivée ici qu'elle a vu que papa est là. C'est qu'elle est arrivée qu'elle a su que papa était là. Vous, prophète. Papa, tu es là. Je l'ai pingé, tu étais là. On n'a qu'à pas. Moi, je suis ici. C'est si on n'ouvre pas l'écran. Ah, mais qui est mon ami? Mon ami, mon ami, mon ami. Il y a ma soeur, ma fille. Ah, d'accord. Elle dit, c'est les deux prophètes que vous avez laissés là. Deux pasteurs que vous avez laissés, qu'elle connaît. Elle ne vous a jamais vu ce jour-là, la première fois qu'elle vous a vu. Et puis, il veut dire les sorciers. Quand c'est venu, il veut dire les sorciers. Bon, bref, on va aller l'essentiel. On a tellement duré, on va finir avec cette histoire. Voilà. Parce que moi, je veux comprendre quelque chose. J'ai posé toutes ces questions pour voir est-ce qu'elle-même, elle a cette volonté d'abandonner la sorcellerie. Parce que c'est ça la question. Tout ce que je suis en train de poser comme question, on voit en elle, on détecte en elle, on la charge d'un village du moins. Elle se retrouve à Bavois. Ok. Donc, ça veut dire que tout le monde sait sa sorcellerie. Sauf nous. C'est parce que Dieu nous a révélé ça. On ne la connaît pas. Voilà. On ne sait pas de. Voilà. Et donc, est-ce que là où ils ont détecté, depuis lors, est-ce qu'elle a. Elle vient de me dire non. Donc, ça veut dire qu'elle est restée tout le temps dans la sorcellerie. Parce qu'on peut la chasser dans le village. Mais elle n'est pas dans la sorcellerie. Chasser le village, ça ne résout pas le problème. Ça veut dire qu'il y a eu trop de dégâts. Voilà, donc elle vit avec la chose. Elle est venue, tout ça. Faut lui dire, elle a demandé sorcellerie à la fille. Faut lui dire ça. Dis-le à la. Elle a pas pris ça la dernière fois, mais elle a donné la sorcellerie à Marina. Tu t'appelles Marina, c'est ça? Oui, mon frère. Ok. On va parler de ça. Demande-lui. Pose-lui la question. Elle a fait. Tu dois être beaucoup émotionnel, c'est ça? Oui. Ok. On peut continuer? Oui, d'accord. Tu seras choqué, ça, c'est normal.
Mais il faut ça. C'est comme un chirurgien. Le sang, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, mais lui, il fait son travail. Ça fait partie de son boulot. Donc, mais si tu es très émotionnel, je te dis que tu seras beaucoup choqué. Parce qu'il y a des détails, dans les détails, il y a des détails dont j'ai besoin. Okay. Pour faire avancer la vie du bronze. Donc, je t'ai vu tout à l'heure, tu étais choqué, mais tu seras choqué comme ça tout le temps. D'accord. Oui, non, on est habitué à ça. Nous, on est dedans, on se réveille dedans et tout ça. Donc, tu seras choqué tout le temps. Voilà, on va aller à l'essentiel, parler beaucoup de choses, parce qu'elle en a fait beaucoup. C'est pas parce qu'on l'entend de l'exposer, on entend d'humilier le diable. On est en train de vouloir détruire une œuvre satanique pour la conduire dans atteindre la délivrance, en fait. C'est un peu ça l'objectif. Dans tout ce que nous sommes en train de faire, j'ai un objectif. Ça dit qu'il faut que votre objectif, c'est sa délivrance. Il faut qu'elle passe par là. Voilà. Il faut qu'elle passe par là. Voilà. Mais en même temps, leur bouche, là, ils ne disent pas la vérité. C'est pour cela que pour les aider, c'est difficile. Il faut avoir le temps de pouvoir détecter ça. Voilà. Donc, il y a une histoire. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle pour que beaucoup de choses pour qu'elles se libèrent. Voilà. Donc, on est là. Si je sens qu'elle ne veut pas poursuivre sa délivrance, moi, je la laisse parce que je ne veux pas la forcer. Vous comprenez? Voilà, je ne veux pas la contrainte à une délivrance, parce que comme je disais tout à l'heure, c'est volontaire, il faut la désirer. Je suis prêt à l'aider, mais comme elle dit, c'est maintenant qu'elle sent le besoin de se faire délivrer. Ok, moi je suis prêt aussi à l'aider, mais l'aider là, ça veut dire qu'il faut qu'elle parle. L'aider, il faut qu'elle rentre dans certains détails, j'en sais, selon l'esprit de Dieu, mais en même temps c'est pour l'aider quoi. Si je sens dans ce que je suis en train de faire avec elle, je ne sens pas un peu de celui qu'elle veut faire avec moi, quand je connais leur bouche, je baisse les bras et puis bon. Elle va aller ailleurs pour se faire délivrer. Moi que non. On est né et beau à Kadane. Aïe, c'est né à ma baoué. La voix, non, elle est, on est dit. Oh, you be as any day guinea, or bad boy, and I you banny. Ne, I buy way, it will me a moo, we are no any. I buy a moo, I am moo ya nanani. Eh, or car your penny, a cow, me, I need bada make a zizzy damine, because that pony. Any eating an omoka, the grudge of Moka banny, a near Casam Lam Dap. I you. Amen. Non, tu veux être délivré. Oui, prophète. Je veux être délivré. Pour nous dire la vérité. Oui, prophète. Voilà, parce qu'il y a une histoire entre toi et ta maman. Il faut que ça soit au grand jour. Et puis on va prier pour vous. Oui, prophète. Voilà. Il y a une histoire entre toi et ta maman. Il faut que ça soit au grand jour. Et puis on va prier. L'âge que tu as, elle a dit non, elle ne veut pas que tu te maries. C'est pas ce qu'elle disait la dernière fois là. Oui, prophète. Non, elle est rentrée dans les histoires du soir. Moi, j'ai le dossier. J'ai le dossier du Saint-Esprit. Voilà. Donc, quand j'ai une suite de cette affaire, je l'ai regardé. Et vous avez quoi en commun, vous deux? Vous avez quoi en commun? Moi et puis elle, pourtant nous sommes ensemble. Quand je viens à Abidjan ici, je dis pas et puis je
vers chez elle. Là. Marina, Marina, hey. Je n'ai pas parlé de tourisme. Si tu viens à Abidjan, tu sais très bien le sujet que je suis en train d'aborder. Tu comprends bien français. Peut-être la vieille peut comprendre, mais sinon tu as compris ce qu'il a dit. Ce que tu as en train de dire là. La vieille, elle n'a même pas discuté. Elle dit si elle t'a donné la sorcellerie. Ça veut dire que tu en sais quelque chose. Alors c'est de ça que nous sommes en train de parler. Pour te libérer d'une affaire dont la vieille t'a déjà détruit pour ça. Donc on est en train de parler de ça. Pour ne pas que ça sorte de ma bouche, mais c'est un détail. Je veux en savoir quelque chose si ça. Pour qu'on poursuive la chose. D'accord. Non, pas d'accord. Ah oui, d'accord, parce que tu as compris ça. Ok, je t'écoute. Oui, pourquoi? Comment tu t'appelles? Excuse-moi, madame Madlamine. Oui. Tu as compris ce qu'on a dit là? Oui. Ok. Et quand dit, j'ai quand dit d'accord, au fait, ça veut dire qu'on assume. On assume, c'est quoi? Terre à terre, ou bien. Maï. Prophète démon, est-ce que ce que maman a dit, qu'elle t'a donné la sorcellerie aussi, est-ce que c'est vrai? Oui, prophète. C'est vrai. D'accord. Ok. Donc, vous deux, vous savez dans quelle affaire vous êtes, c'est ça? Oui, prophète. Voilà, donc ça veut dire que les autres qui sont à côté là, eux, ils sont là, ils ne savent pas. C'est ça, non? Oui, prophète. Donc, eux, ils s'inquiètent. En temps normal, quand un parent a un danger pour l'assister, sinon c'est non assistant qui est en danger. Donc, ils ont joué le rôle des parents qui sont prêts à aider une personne en danger dans la famille. N'est-ce pas? Oui, prophète. Ok. Et donc, vous deux, vous êtes bien sur une situation. Quel est le problème? Pourquoi la vieille t'a macheté? Pourquoi elle veut t'en détruire? Pourquoi? Vous allez faire quoi? Tu l'as fait quoi? Et puis elle veut te tuer en sorcellerie. Il y a eu quelle histoire entre vous deux? Moi et puis la vieille, en fait, je n'ai rien fait à la vieille. Je n'ai rien fait. Parce que moi, j'étais habillée ici. Maintenant, quand je suis partie, j'ai dit, allez la saluer. Lorsque je suis partie, il y a eu décès au village. On est parti là-bas. Décès de qui? Il y a la femme de. Le grand-père de mon papa, il a perdu sa femme. C'est là-bas, nous sommes partis au funérailles. C'est là-bas, quand on est quitté, on est venu. C'est là que j'ai commencé à. Les choses, comme on dit, j'ai commencé à ressentir. Marina, tu peux te dire? Oui, prophète. Mais dis-moi la vérité parce que tu entends mentir. Le problème entre toi et ta maman, c'est un problème de viande de sorcellerie. Et en réalité, ta maman t'a envoyé à tuer cette femme. Le cœur et la tête, tu l'as récupéré. Et ta maman voulait prendre ça. Et tu l'as récupéré. Et c'est cela que ta maman t'envie. Elle t'a macheté. Vrai ou faux? C'est vrai ou faux? Alors? Donc, vous savez quelque chose, tu sais. Tu en sais quelque chose. Madame Lamy. Madame Lamy. Oui, prophète. Voilà, doucement. Hein? Je t'ai dit que tu seras choqué, mais on va les aider. Pour nous, ce n'est pas un problème. Tout ce que vous allez entendre, on a un objectif, c'est de les récupérer, prier pour qu'ils soient délivrés. Ou qui deviennent des personnes qui sont bien. Tu comprends? Pour nous, la sorcellerie, Dieu même lui prend les gens qui sont mauvais. Dieu n'a jamais choisi quelqu'un qui est bon. Voilà, tu vois donc, le choc là, c'est normal. Eux, ils aiment bien cacher les choses. C'est normal. Si la vieille, elle en sait quelque chose, Marina en sait quelque chose, c'est vrai que ça fait pitié dans la situation que se trouve Marina aujourd'hui. Ça fait vraiment pitié parce qu'elle n'est plus loin, parce que la maman l'a tuée, hein. Elle a déjà tué en sorcellerie, elle a déjà atteint Marina. C'est pas un problème de viande, tout ça. Donc, c'est le petit secret, là. Marina sera délivrée, ça c'est tout à l'heure. Ça va se délivrer. Ouais, tu
sera délivré. Ça, c'est un petit truc, mais il fallait que ce sécure la sorte. Voilà. Voilà. Donc, c'est ce qu'on veut maintenant entendre. Maintenant que tout est mis à nu, tu comprends maintenant que tu n'es même plus caché. Oui, professeur. Ok, Jean, je t'écoute. Un jour, nous sommes, moi et puis la vieille, nous étions dans la chambre. Madame Nami. Oui, oui, prophète. Yayao, yayao, yayao. D'accord. Au fait, Noam, j'ai craint pour toi. J'ai craint pour ton échec, pour pas t'effondrer là-bas. Tu peux t'asseoir ou bien tu continues, tu t'arrêtes, c'est ça? Viens, viens, viens l'aider. Ça, c'est ma cavalerie. J'ai craint pour Madame Nami. Tu peux t'asseoir, ouais, tu, c'est bon, tu peux. C'est bon, ça va? Oui, ça va. D'accord, ça va. J'espère que si ton mari te voit dans une vidéo, il ne va pas se plaindre. Non, non. Ok. D'accord. Mais vous dire tout ce que tu vends, tout ce que tu entendras d'elle, tout ce que tu vas, dis-toi que c'est pour les délivrer, d'accord? Vois ça comme des personnes qui sont en train de chercher, n'est-ce pas, à faire des aveux dans le but que Dieu les libère d'une situation, ok? D'accord. Voilà, comprends ça comme ça, quoi. Non, l'habitude, peut-être que toi, et moi, j'aimais bien le geste que tu as fait, parce que c'est tout à fait normal que quand une personne souffre, il faut l'assister, sinon c'est non-assistant, personne en danger, d'accord? D'accord. Ça, c'est déjà beaucoup d'amour, et ça, j'aime bien ça. Mais, ils ont des secrets en commun, d'accord? D'accord. Et tant que ça ne sort pas, tout ce que vous allez faire, ça ne va jamais aboutir. Mais elle sera libérée, Marina, je te dis. Amen. Dès ce soir, beaucoup de choses vont se produire dans sa vie. Dès ce soir, amen. Les choses vont se normaliser. Amen. Amen. J'ai prié pour cette rencontre-là. Amen. Vous savez, dimanche, j'ai prié pour cette rencontre. Voilà, j'attendais de couper mon jeûne et de vous prendre. Amen. Voilà, donc, quand je dois prendre quelqu'un, j'ai tous les éléments du Saint-Esprit. On dit, ok, s'il n'est pas le ok du Saint-Esprit, je ne pourrais pas le faire. Voilà. Ok, on t'écoute, Marina, ça va? Oui, prophète. Allons-y. Parce que Madame Nami, c'est Mina qui dit, ma grande soeur, elle a la sorcellerie, tu as un fils. Oui, c'est pas ça. Elle dit, ma grande soeur, allô? Tu vas m'envoyer là-bas, mais. Ça fait les sorcelleries. Hein. Et alors, quand tu as dit, bon, tu fais des portables, laisse sur notre bus, pour un bonjour, vos correspondants ne peuvent pas le joindre, elle est fermée, c'est fini. Tu vois, donc, au fait, tu as joué aussi un grand rôle dans tout ça. Voilà, que Dieu vous bénisse. Hein. Je ne sais pas vous voyez ta soeur. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous assiste aussi davantage. Amen. Vous avez participé, contribué à leur salut. Ça, c'est beaucoup très important. Amen. Dans la vie, il faut aider les gens. J'ai toujours dit aux gens, quand tu ne peux pas aider, il ne faut pas détruire. Mais quand tu as envie d'aider, il faut aider. Il faut aider à fond les gens. Ok, Marine, on t'écoute. Je pratique la sorcellerie. Ça, on sait. C'est la suite qu'on veut attendre. Qu'est-ce qui s'est passé entre toi et puis maman? La mort de la dame. Je viens d'expliquer ça. Maman m'a envoyé d'aller tuer la femme, la dame. Quelle femme? La dame du bon poisson. Est-ce que je connais son nom? Yvonne. Sa père Yvonne. Et tu viens du poisson du village. Et je suis partie. Elle vivait où la dame? Elle vit à Guabafla. Et tu es partie, c'est ça? Oui. Et je suis partie. Mm-hmm. Et je suis arrivée là-bas. Mm-hmm. Elle était couchée. Donc, quand je suis rentrée, et j'ai pris un bois pour l'ensommer, pour la taper. T'es transformé en quoi, tu fais ça?
Et quand je l'ai, il est bien pris pour l'ensommer, elle ne bougeait pas. C'est là j'ai pris, j'ai coupé sa tête et j'ai pris son cœur. Et je me suis retournée avec. Je suis partie à sa va-voir chez ma maman. Arrivée là-bas, elle m'a dit de lui donner. Et j'ai refusé de lui donner. C'est ça qui l'a pas plu. Ça l'a énervé. On a discuté. Et on s'est battu. On s'est battu. C'est là, elle avait un machette dans sa main. C'est là, elle a pris pour me taper. Quelqu'un t'a tué? Oui. Donne-lui ça. Oui, ta maman. Oh, madame Amine, pardon, Tamine là, s'il te plaît. Non, si tu te croises maintenant, c'est pas bon, d'accord? D'accord. Allons-y jusqu'au bout, d'accord? On a commencé une affaire, heureusement. Il faut qu'il fallait qu'il savoir des choses pour l'aider. Voilà. Il faut connaître les gens. Il faut connaître les gens. Ne vois pas le côté mauvais. C'est vrai que ça fait mal. Ce n'est pas les bonnes choses à entendre. Mais on gagnera encore sauver la vie de Marina. C'est-à-dire qu'il faut sauver sa vie et puis la vie de ta maman. Oui. Voilà, même si c'est des conneries qu'on entend, c'est pas bon à entendre. On ne peut pas se rendre justice. Donc, nous, en tant que croyants la puissance de Jésus, c'est de les sauver. Pour qu'on en arrive là, c'est le Saint-Esprit qui a planifié toutes choses. S'il ne voulait pas, les choses n'allaient pas arriver jusqu'à là. On est d'accord? D'accord, professeur. Voilà, je demande à ta mère, voici ce que Marina vient d'expliquer. Est-ce qu'elle a quelque chose à vous dire? Parce qu'elle rencontrait des bêtises la dernière fois, j'ai écouté, j'ai stoppé ça rapidement. C'était des conneries. Mais qu'est-ce que Marina, qu'est-ce qu'elle a dit? Maman, prophète, ne. Le oui, Marina, ça la descend down. Mon plaie a deux souvenirs de vous en saoule. Les plaies. Aïe, mon sort, les plaies à ma dégue. Et non, si vous n'avez pas appelé. Si vous n'avez pas appelé, il n'a plus que zone à vous. Donc, il n'y a pas de bois. On est là. Et là, pas caïca, là, pas rapide. On est là. Il n'y a pas de micro. Il y a deux micros, non? Oui, il y en a. Alors, comment ça va aller un peu rapidement? Elle parle un peu, tu réponds un peu. Oui, elle va. Elle dit la dame qui vendait le poisson au village, c'était leur vendeuse. Et elle allait acheter du poisson à tout moment chez elle. Mais ce jour-là, il s'est trouvé qu'elle n'avait pas de l'argent. Elle allait demander le poisson à crédit pour qu'elle puisse, préparer pour des étrangers. Et la dame a refusé, c'est pourquoi elle a envoyé Marina aller tuer la dame. Donc ça veut dire que c'était sa viande, c'est ça? Amanéme Ayaï. Amanéme Marina Mnabo. Amanéme Marina Mnabo. Elle dit oui, c'était sa viande que Marina allait chercher. Et puis Marina, maintenant, elle a mangé sa sœur. Et Marina, il dit au débrouillé. Elle dit Marina n'a pas mangé elle seule. C'est ce que Marina vient de dire. Marina n'est mon boua au Ouroukla. Et au Dibé. Mon boua. Mon père, il boit au Pagre. Pas. Non, Marina, mon boua. Elle dit oui. Et Marina a pris ce qui lui appartenait. Donc, vous détenez un grand secret comme ça. Au lieu d'en parler, vous cachez ça. Marina, qu'est-ce que tu as dit? Depuis quand tu es devenue sorcière? Et ça, tu dois parler. Depuis quand tu es devenue sorcière? Parce que la vieille disait, ah non, ton mariage, ton truc, ça c'était des trucs. Non, ça je parlais de ça la dimanche passé. Mais il y a plein de choses que vous cachez. Maintenant, depuis quand tu es dans la sorcellerie? Parce que tu n'es plus petite sorcière.
Tu es une véritable sorcière. Depuis quand tu es dedans. Voilà. Il faut qu'on en parle parce que le temps, c'est beaucoup important pour moi, hein, maintenant. Lorsque mon papa arrivait et qu'il était couché un jour dans la chambre. D'accord. C'est là, il dormait, et dans le sommeil, j'ai vu ma maman. Elle me faisait à boire un truc, elle me donnait un truc à boire. Donc, quand je buvais, ça a secoué mon cou. C'était tellement trop, donc j'ai commencé à faire truc, j'ai commencé à vomir le reste aussi. Donc, elle a fini de me donner, et puis elle m'a dit de me lever. Maintenant, je me suis levée. Quand je me suis levée, c'est là que j'ai vu elle sort un peu partout, sur ma bouche. Partout sur moi. C'est depuis ce jour-là, ça a commencé. Qui t'a donné? Ma maman. Quel est le rôle que tu joues dans les confréries? Moi, le rôle que je joue, c'est, on m'envoie d'aller tuer les gens. On m'envoie d'aller. C'est le rôle que je joue. Elle t'envoie d'aller tuer. Non, tu en as tué beaucoup. C'est ça? Oui. On peut savoir les gens que tu as tués. Parce que c'est important pour ta délivrance, tu vois. C'est important ce qu'on est en train de dire. C'est important pour ta délivrance. Elle m'a envoyé d'aller tuer la dame. Non, elle t'a envoyé, d'accord. Mais toi, tu en as tué combien? Il y en a tué. Hé, c'est pas à toi que j'ai parlé. C'est pas à la maman là que j'ai parlé. J'ai parlé à la fille là. Laisse-la parler. Voilà. La vie, il faut rester tranquille. Je suis en train de parler à Marie. Il a tué quatre personnes. Non, tu n'as pas tué quatre. Quelle quatre? La maman est en train de compter comme ça. Tu penses que c'est ce qu'elle est en train de dire là? Moi, je ne vois pas ces gestes qu'elle est en train de faire. C'est des conneries. Tu as tué combien? La maman, ce n'est pas cinq personnes là. Tu c'est une règle sorcière. C'est des conneries. Elle rencontre. C'est des bêtises. C'est des bêtises. Tu as tué combien? Moi, je veux voir si tu es sincère. Si tu es sincère, moi, tu n'es pas sincère. Moi, je l'ai qu'on a fait. La maman va bien te manger avec sauce acne. Un foufou banane, bien te manger. Et bonne sauce, elle va mettre ça parfumée, ça va cuire pour te marier. C'est vrai que c'est elle qui t'a donné, mais c'est comme ta affaire, faut dire. Elle a tué cette personne. Tu as peur de quoi? De quoi tu as peur? C'est qui t'est caché là? Tu as déjà tout dit. Donc tu dois plus avoir peur. Tu veux ta délivrance? Oui. Ah ben, c'est 18 personnes, c'est pas 7 personnes que tu as tué. Hein? C'est vrai. Mais pourquoi tu dis 7? À part tuer les gens, tu fais quoi? À part tuer les gens, il n'y a pas autre chose que je fais. C'est ça seulement. Mais tu as kiki, tu couches avec personne, tu as quoi? Tu ne parles pas. Tu deviens homme, tu vas faire l'amour avec les gens. Tu ne fais pas ça? C'est vrai. Alors, mais pourquoi tu ne parles pas? La vieille. Tu aimes bien donner maladie aux gens, c'est pas ça? Les plaies de Dalwa, là, Huxer, là, tu donnes ça aux gens. Pour les
plaisir. Il faut parler, comment ta gorge est pas mal? Pourquoi c'est au moment où tu veux parler, tu as un problème de gorge? Ah, mais il y a l'aide. Elle dit quoi? Elle dit sa voix est cassée. C'est là. Ça a sorti. Quand tu veux parler, ta voix s'en va. Toi, tu n'as pas pouvoir débloquer celui qui. Tu vas parler. Dis-moi comment tu prends le médicament. Comment tu. Elle est dans un feu d'Akiki. En fait, les feux d'Akiki, vous connaissez ça? Oui. Où est la cachée ça? C'est là que je trouve la maladie. Elle part, elle jette ça sur les gens. Où est la cachée ça? Moi? Mm-hmm. On est quelqu'un pour nous plaire. Azoua, oui, au coup. Oui, Wabada, Daloa, Daloa Guia, Guiane. Daloa Guia, elle dit c'est fini. Tu as caché ça. La vieille. On a moisi de wea. Où tu as gardé ça? D'Aziz Awene, Agbe Dono. C'est tout? D'Aziz Awene. Fafou Iziz Awe. J'ai caché ça à Babwa. Où? Où j'ai loué ma maison. Mais père où? Dassa bien joué. Banon plein bouton. Banon plein bouton. Banon plein bouton. J'ai mis dans mes affaires dans la maison. Et tu utilises ça comment? Et ça noué, ça yeux, ça noué, mon doigt noué, là. Bon, il y a un annuel. Bon, il y a un annuel, il y a un même. C'est facile. En sorcellerie, je prends ça pour pouvoir verser sur les gens, pour qu'ils tombent malades. Mm-hmm. Ok, on peut poursuivre. Qu'est-ce que tu as à nous dire? Mon aka, oh yaba, prophète yaba, mon aka, mon wé, aliba kaba. Eh, mais moi, yaba, kaba, on peut me yonner. Nago, on peut me yonner. On s'en fout, mais vous parlez. Non, je m'en vais parler à sa place, pourquoi? Ça me faut dire. Pourquoi il parle à sa place? Eh, mais lago, on peut me yonner. On peut me yonner ça. Nago, on peut me yonner. On est, oui, ça. On est en noir, on est bien. Il y a pas de mal. Il y a pas de mal. C'est plus les âmes. Dis ce que tu as fait. Allez, vous m'avez dit, Anne. Et quand il me baigne, bon, il y a ton, mon yam, et quand il me boit, mais moi, je peux te dire. Mais est-ce que toi-même, là, tu es prêt à changer? Si tu es prêt à changer, tu vas me dire. Sinon, je peux dire. On a eu à Kabiti, à Kabakabiti, à Madère, au moment où on est bon, 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 on est bon. Et à mes cas, oui, à mes bouillons, et à vos mounes, et à Marina Gosu, on a soigné ma boue. Et y'a pas la gonne, une boue, et que vous, et quand il me oui, non, elle est. Elle dit ce qu'elle a comme poison, qu'elle a gardé là-bas, c'est ce qu'elle a mis sur Marina pour lui donner cette maladie-là, et c'est ce qu'elle met aussi sur les gens dehors pour les rendre malades. Elle n'a rien dit, elle a acheté Marina. Son pied gauche, là, le pied gauche, vous voyez là, le pied gauche, c'est ce qui est loué, le bras où il y a Marina, c'est pas ça? Mm-hmm. C'est son poteau gauche, non? Oui. Ok. Sous le pied gauche, là,
Elle a un miroir mystique. Elle a caché un miroir en bas, le pied gauche. Et c'est ça qu'elle prend, elle enlève, qu'elle veut changoler, c'est dans ça, elle regarde les gens. C'est pas là? Prophète Nain, à mon copé, beau, à mon beau homme, à Kaba, Vrigli. Et Vrigli, mes amis, copé, c'est bon. Nous prenons à Yéra, à Yéra, n'y a pas de mal, à Ba, beau homme, hein. Bon, vas-y. Tu as dit quoi? Moi, maman. Elle dit oui, c'est ça. Bon, ça veut dire que toi-même, tu n'es pas prête à changer. Tu vois? Donc, je ne sais pas maintenant qu'est-ce que tu veux réellement, parce que je sens que tu n'es pas prête à aller de l'avant dans tout ce que nous sommes en train de faire. On a eu un cas parce que, ok, Babi a moins, oui. On m'a dit, vous avez répondu. Oui, Vlikli, oui. Oui, Vlikli, madame. Et que, pourquoi, 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 mais pourquoi, tu dis pas ça? Et non, pas, oui, il y a une, il y a une, il y a une, il y a une, on a un bon travail, on a un bon travail. On a Depuis la semaine passée, jeudi. Le jeudi passé. Wow, mais il y a longtemps, ça fait 20 semaines. Ah. C'est pas normal. Mm-hmm. Est-ce qu'elle a envie d'être délivrée? Parce que moi, ça me prend subit. Est-ce qu'elle a envie d'être délivrée? Est-ce qu'elle a envie d'être délivrée? Pourquoi tu ne peux pas parler? Ayi wa ni wa sa bo ne mo ka gba wo mo ka gba bi na ba kin a ma de bo ba we we tu me ma eh o si po yin ni eki e be gba ba de bo e ti e se pa e se pa c'est quand vous dites que elle e va vous crier mais ça veut dire que vers ça ou bien attends e se pa sa sorcellerie c'est ça ah e ka bo e di su su ka bo elle est sorcière elle dit qu'elle est sorcière. Okay, bon. Est-ce qu'avant de venir au centre là-bas, là, c'est moi qui lui ai dit qu'elle était sorcière, ils l'ont chassé à cause des sorcelleries? À Kassirine. Et c'est moi, à Yéguine, mais c'est moi, Baïra, n'a pas encore parti à Daï, mon Baïri. Elle dit non. Alors, donc, c'est ça, mais c'est ce que je ne voulais pas entendre. Donc, ça veut dire que ce que j'ai dit là, c'est pas vrai, alors. Non, on est où, mais à Badane. Aïwa Kabane, Yoma, Omea Yosu. Elle dit non. Alors, mais c'est ce que je ne veux pas justement. Je ne veux pas parler et puis tu as me dit oui, oui. Et puis tu as dit après que c'est moi qui te force. Ok, non. On a eu un peu de temps. 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 La femme est là. Oui, elle est là. C'est seulement 2 minutes. Je vais parler vers 2 minutes. Tu n'entends pas, oui. Je dis à mon petit bas. Hein? À mon petit bas. À mon petit bas. À mon petit bas. Elle veut laisser. Oh ouais. Maintenant, qu'est-ce qu'elle avait envie de nous dire, qu'elle nous dise maintenant pour qu'on finisse de prier pour elle, pour la libérer. Oui, Elle dit canari là.
Lorsqu'elle voulait partir à l'église, elle allait jeter elle-même. Elle pensait que le pouvoir qui est dedans est parti. Or que ce n'est pas vrai. C'est toi qui viens d'arriver. Oui, j'étais ici, mais c'est hier, avant que je le voyage. Sinon, c'est moi qui l'ai amené. Oui, je viens d'arriver. Mais qui était? C'est pas toi qui interprétais la dernière fois là? Non, non, c'est ma grande, c'est ma grand-soeur. Elle dit quoi? Elle dit que le canal qu'elle avait là, où elle voulait se donner à Dieu, elle est partie jeter ça. J'entends pas. Elle dit qu'elle a jeté le canal là elle-même. Ok, on écoute. Wow. Quand est arrivé, bye. 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 Elle a tué à elle la sorcellerie. Non, je sais. Quoi? Non, non. Nous t'aimons pas à aimer. Moi, quand même, je sais. Mais quand même, je sais. Je ne sais pas comment ils sont. Yeah. Mais moi, je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Elle dit, elle est venue pour la délivrance pour qu'elle puisse arrêter la sorcellerie. Hein? Elle veut arrêter la sorcellerie. C'est là que. En fait, je n'ai pas le retour. Je n'entends. Toi, je t'entends pas. Elle, oui, je l'entends, mais toi, je t'entends pas. Elle dit elle est venue pour. Elle voulait arrêter la sorcellerie. C'est pour cela qu'elle est ici. Mais oui, justement, elle n'a pas parlé. C'est moi quand elle a aimé mon copain. Il y a quelqu'un qui s'en sort. Ma Kiki, quoi est-ce? Elle a tué les autres et puis elle a attaché l'autre encore. Mais il y a où? Boudouma. N'a qu'un corps. À qui dit ma chérie? C'est ma petite soeur. Elle a pourquoi elle? Moi, je sais. Elle va à l'église. Ma petite soeur? Elle, la vieille. Elle, après elle. Yo. Quelle église? Sema. Yo. Sema, c'est bon, mais c'est elle qui n'est pas bien. Sinon, ce n'est pas parce que Sema n'est pas bon, c'est elle qui n'est pas bien. Moi, quand même. Et moi, quand même, j'ai aimé l'homme, j'ai aimé l'homme, j'ai aimé l'homme, j'ai aimé l'homme, j'ai aimé l'homme. Ma cousine allait à mon père. Elle a tué 800 personnes. 802 personnes. 802 personnes. C'est à mon père. C'est 802, non? C'est moi et à mon père. Dis oui. Yo. Qu'est-ce qu'on fait après? Qu'est-ce qu'elle a fait encore? Et ni le cousin. Mais derrière, quand il y a un Nana, le cousin. Aïe, mamie. A quoi ça qui n'a pas eu. Aïe, mino. Nana qui dit. Elle avait pris pratiquer la sorcellerie. C'est là qu'elle est ici pour qu'on puisse gâter Canary là où elle a jeté là-bas. C'est là qu'elle est ici. Ok. Elle a accepté Jésus. Elle dit oui. Qu'elle dit Seigneur Jésus. Et moi, c'est que Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Aujourd'hui. Et moi, c'est que Ande. Je t'accepte. Et moi, comme mon sauveur et Seigneur personnel. Que ouais, à descendre, titio. Que ouais, à descendre, titio. Délivre-moi. Ouais, c'est que demi. Demi. Yangimi.
il pardonne tous mes péchés. Amen. Amen. Les pasteurs vont s'occuper de sa délivrance tout à l'heure. Amen. Amen.